Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être la dernière vidéo sur la série Investisseurs-Agisseurs. Donc ça fait à peu près une semaine que je t'ai donné accès à 5 vidéos d'intervenants Investisseurs-Agisseurs. Hier, on a visité un projet de 200 mètres carrés. Donc je ne sais pas si tu t'en souviens. Si ce n'est pas le cas ou si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à le regarder sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Du coup, aujourd'hui, je voulais te faire visiter un nouveau projet parce que j'étais en train de faire un petit pont en fait, parce que là, l'exploitation va pas tarder à commencer. Du coup, je me suis dit que ça allait me permettre de te faire une petite visite guidée de ce chantier et que ça pouvait être beaucoup, enfin, assez intéressant pour toi pour avoir encore plus de contenu. Donc, hier, on a vu un bien qui était totalement à rénover, donc un truc qui était pourri et qu'il fallait rénover. Là, tu vas voir qu'il commence à être vraiment pas mal et que, voilà, on touche bientôt le bon bout et normalement, l'exploitation doit commencer dans à peu près une semaine à 10 jours. Donc, avant de te faire la visite guidée, je voulais te parler d'investisseurs-agisseurs encore une fois, et c'est le dernier jour que je t'en parle parce que ce soir, ça ferme les portes. Donc voilà, à partir de ce soir, tu n'entendras plus parler d'investisseurs-agisseurs, sauf si tu es un investisseur-agisseur. Et voilà, donc actuellement, on approche les 30 investisseurs-agisseurs, donc c'est énorme, ça commence à être vraiment un très très gros groupe. Donc je suis super content d'avoir pu réunir autant de monde et surtout des personnes aussi motivées. Donc merci beaucoup pour votre confiance, ceux qui ont intégré investisseurs-agisseurs. Et pour les autres, j'espère dans tous les cas que cette série Investisseurs-Agisseurs vous a plu. Si vous voulez vous inscrire, il y a le lien qui est dans la description. Et du coup, vous pouvez vous inscrire jusqu'à ce soir, minuit. Après, c'est totalement fermé et je ne réouvre pas les portes avant plus d'un an. Donc, il y en a qui me demandaient si je réouvrais les portes dans 6 mois. Non, je ne les ouvre pas dans 6 mois. Je les réouvre dans un an simplement parce que ça va me demander beaucoup d'énergie pendant 6 mois de faire un live toutes les semaines, de faire des rencontres toutes les mois. Donc voilà, ça va vraiment me demander beaucoup, beaucoup d'investissement personnel. Ce qui fait que la réouverture sera dans normalement un an si tout va bien. Et encore, c'est même pas sûr à 100% que je le réouvre. Donc voilà. Si tu veux t'inscrire, tu peux toujours jusqu'à ce soir minuit. Donc aujourd'hui, on est mardi. Tu peux toujours ce soir. Et en plus, tu peux toujours bénéficier du paiement en une fois, 3 fois, 6 fois et 12 fois. Et comme ça te permettra d'intégrer beaucoup plus facilement investisseur-agisseur et d'avoir de gros résultats. Donc, comme je te disais, les inscriptions ferment ce soir, donc n'hésite pas à y aller. Et tout de suite, on va commencer la visite de l'appartement, enfin du bien en lui-même, parce que là, c'est un gros plateau, un peu dans le même système qu'hier. C'est un gros plateau qu'on a divisé en 3 appartements. Et voilà, donc je vais te faire une petite visite guidée dès l'entrée. Je vais retourner la caméra. Donc là, en gros, juste derrière moi, tu vois, il y a la porte d'entrée. Et dès que tu rentres, t'as un couloir tout le long avec des bandeaux lumineux. Et là, tu as déjà la buanderie qui est juste ici. Donc la buanderie qui servira en fait pour la gestion, vu que là, on va faire de la location courte durée. Ce sera surtout pour tout ce qui est femme de ménage. Donc là, il y aura toutes les étagères pour le réapprovisionnement qui seront juste ici. Là, tu auras lave-linge, sèche-linge. Là, tu auras aussi le sèche-linge où là, tu pourras étendre ton linge. Et voilà, ça te fait un petit point, une petite buanderie. D'ailleurs, n'hésite pas à liker la vidéo s'il y a du son, parce que je ne sais pas si le son marche. Donc, n'hésite pas à liker cette vidéo pour me le dire, ou me le dire directement dans les commentaires si tu le souhaites. Donc voilà, là, tu as l'interphone, là, tu as tout ce qui est électricité, donc le tableau électrique. Et ensuite, on arrive dans les autres appartements qui sont juste là. Donc ça ne va pas rester, hein, c'est simplement moi qui l'a laissé là pour ça m'aide. Donc, ah oui, petite stratégie, si tu as des parties communes, si tu fais une division, mais des caméras de surveillance. Donc là, je les reçois demain, je vais les installer demain. Mais voilà, ça évite tout ce qui est prostitution après, et c'est vraiment top, et c'est vraiment ce que je te conseille. Ça, juste ici, c'est les coffres à clés qu'il y aura sur les portes. Donc juste à côté de la serrure, là, je poserai des coffres à clés, et comme ça permettra de laisser les clés pour le check-out, et d'éviter qu'il n'y ait personne pour ce check-out. Et bien sûr, le petit panneau interdit de fumer, c'est toujours utile au cas où. Donc ici, on rentre dans le tout premier appart, celui où j'ai commencé la vidéo. Donc là, tu vois, il y a un placard, il manque juste le rideau à mettre. Un petit placard à l'entrée où tu peux mettre tes affaires. Ensuite, tu rentres, tu as un grand lit. Ici, donc celui-ci est un peu sur le thème de Scandinave. C'est un peu ce qui est à la mode en ce moment, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, là, tu as le côté où tu as le lit avec la tête de lit, une petite plante, petit miroir. Et là, tu as le coin salon-salle à manger juste ici. Donc la télé, on va la changer. On l'a reçue, mais elle était trop petite et ça ne correspond pas à ce qu'on avait commandé. Donc elle sera plus grande. Et ici, tu as la cuisine. Donc voilà, un petit studio tout équipé, assez propre. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, la salle de bain. Donc voilà, ça va mieux. Là, la couleur, le carrelage est super beau.
D'ailleurs, si tu as déjà vu les autres vidéos, c'est vrai que j'en avais déjà parlé de ce carrelage et je le trouve vraiment cool. Donc voilà, petite salle de bain, tranquille, toujours avec le sèche-serviette, voilà, assez propre. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires et à liker la vidéo aussi si, s'il y a du son, parce que je ne sais pas si ça marche bien le son. Donc n'hésite pas à liker la vidéo. Donc ici, pareil, dans les parties communes, tu vois que ça s'allume tout seul, c'est parce que tu as les capteurs, c'est fait exprès, c'est pour éviter du coup de laisser la lumière allumée, donc c'est plutôt pas mal de mettre des capteurs. Donc là, il y a un deuxième appartement, donc celui-ci est pas fini encore, donc il va être terminé, c'est le dernier en fait, c'est celui qui est le moins avancé. Donc là, je dois recevoir demain un tableau, ou ce soir, un tableau qui va aller là, un grand grand tableau, fait en France en plus, donc c'est cool. Là, tu as une cuisine en L, juste ici, avec cet endroit là, tu vois, derrière pour manger. Là, tu as des rangements, parce que c'est vrai que c'est ce qui manque en général dans les petits studios, donc c'est ce qu'il faut faire attention. Une télé, le lit, toujours un lit, pas un canapé-lit. Ça coûte moins cher à l'achat et moins cher à l'usage, et ça s'abîme beaucoup moins. C'est beaucoup plus pratique pour ceux qui y habitent, avec des rideaux orange. Là, il y a un grand tableau juste ici, qui sera aussi avec des tons un peu orange et blanc. Et là, du coup, on voit l'appartement avec l'autre au bout là-bas. Mais voilà, on voit l'appartement qui est assez sympathique, avec la cuisine équipée aussi ici. Et on va aller voir la salle de bain qui est encore un peu en travaux. Donc voilà, celle-ci est très optimisée. Donc tu vois, ici au fond, tu as la salle de bain, enfin la douche qui est juste au fond. Là, tu as le meuble basque avec le miroir et les WC suspendus avec le sèche-serviette. Voilà, du coup, pour le deuxième appartement, maintenant on va passer au troisième et dernier qui est lui sur le thème de la nature. Je t'ai pas dit le deuxième, c'était sur jazz, blanc, jazz, donc blanc et orange avec voilà, un tableau un peu de jazz. Et là, ça va être sur le thème de la nature. Donc voilà, tu as un mur qui est vert bleuté, c'est un peu, enfin, c'est super beau. Et voilà, le troisième appart avec son petit balcon. Donc ça, c'est plutôt cool pour Lyon. Et lui, voilà, il y a pas mal d'affiches de nature. Il est un peu plus jeune, je trouve vraiment sympa. Le carrelage de la cuisine est super beau. La cuisine est vraiment pas mal. Et voilà. Voilà à peu près ce que c'est. Et la salle de bain, c'est pareil que la toute première. Elle est assez bien optimisée. Voilà. Donc on retrouve le même carrelage juste ici, qui est super beau pour la cuisine. Donc voilà du coup pour cette vie. Tiens, je voulais te donner une petite aussi information, une petite astuce là que je suis en train de mettre en place et qui est vraiment cool. C'est ça tout à l'heure, tu as dû peut-être le voir. C'est, tu vois, les détecteurs de fumée quand tu les poses. Attends, je vais repasser comme ça. Voilà. Les détecteurs de fumée en général, quand on les installe, il faut toujours percer dans le mur. Et du coup, c'est vrai que c'est chiant de faire encore des trous, surtout qu'ils sont super hauts. Du coup, j'ai trouvé sur Amazon ça, qui est en fait deux aimants. Donc tu vois là, c'est deux aimants qui sont collés l'un contre l'autre. Et en fait, tu as une face collante là, une face collante là. Tu colles sur le détecteur de fumée derrière, tu colles le truc comme si tu voulais le fixer, et tu colles directement au mur. Et honnêtement, ça tient super bien. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble, mais ça t'évite de faire des trous. C'est vraiment pas cher, et ça tient super bien. Donc tu vois, tu en as un juste ici en haut. Ça tient tout seul et c'est vraiment top cette invention. Et surtout que je crois que j'ai dû payer peut-être 6 euros les 3, parce que là j'ai dû mettre 3 détecteurs de fumée, donc c'était plutôt intéressant. N'hésite pas à liker la vidéo si tu m'entends bien, parce que je vois que ça coupe un petit peu là. C'est marqué que ça saccade un petit peu, donc n'hésite pas à la liker pour simplement me dire si tu l'entends bien, ça pourrait être cool. Et aussi, si tu veux, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel appartement tu préfères, parce que voilà, là c'est 3 thèmes différents. Et c'est vrai que tu peux en préférer certains plutôt que d'autres. Donc l'autre conseil aussi que je te disais, tu vois, tout à l'heure je te parlais des détecteurs de fumée, il y a aussi pour les caméras de surveillance, donc ça c'est très important, de mettre des caméras de surveillance dans les parties communes, dans l'appartement lui-même lorsque tu fais une division. C'est sûr que tu ne vas pas les mettre dans les parties communes du bâtiment, mais de ton bien. Il faut absolument que tu fasses ça, comme ça va dissuader tout ce qui est prostituée. Et autre conseil aussi, normalement, tu vois là, je vais fermer la porte. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Logiquement, lorsque tu exploites en location courte durée, tu dois aussi mettre tes conditions générales sur la porte d'entrée. Donc tu vois, là, il faut que tu la mettes sur cette porte d'entrée. Et comme ça, normalement, dès que la personne arrive, c'est comme dans les hôtels, en fait, tu as les conditions générales de l'établissement avec le prix de la taxe de séjour, tout ça, c'est obligatoire.
Et en plus, ensuite, tu peux mettre en dessous le code Wi-Fi, comme ça évitera à tout le monde de le demander. Donc voilà, c'était quelques petits conseils aujourd'hui. J'espère dans tous les cas que ça t'a plu, cette petite visite et tous ces petits conseils. Et là, je vais juste finir avec investisseur-agisseur. Donc, les portes ferment ce soir. Si tu es vraiment motivé pour avoir des résultats dans l'immobilier, va jeter un coup d'œil dans la description. Il y a le lien. Et voilà, si tu veux y intégrer, je ferme les portes ce soir à minuit. Ce qui fait que demain, si tu regardes cette vidéo ou si tu décides demain, ça sera trop tard. J'aurai fermé les portes simplement parce que demain soir, je commence le tout premier live. Et voilà, il faut que ça me laisse le temps d'intégrer tout le monde au nouveau groupe Facebook. Donc, si tu es vraiment motivé pour avoir des résultats dans 6 mois, investisseur agisseur est fait pour toi. Tu as vu toute cette semaine les intervenants qu'il pouvait y avoir. Il y en a encore le double qui vont intervenir en live. Et tu as vu le type de projet entre hier et aujourd'hui qu'on peut visiter. Donc, voilà, actuellement, là où je me trouve, cet appartement, dès que je l'ai reçu, tous les premiers investisseurs agisseurs l'ont visité en travaux et l'ont vu fini. Donc, voilà, ça te permet de te donner des idées aussi pour ce que tu peux faire dans l'immobilier, pour voir à peu près si tu n'as jamais fait de travaux, par exemple, voir à quoi ça correspond, voir le résultat, ça te permet de te projeter, de mieux comprendre le processus de l'investissement immobilier. Donc voilà, je t'en dis pas plus. Si tu es vraiment intéressé pour investir cette année et pour avoir vraiment des résultats dans 6 mois dans l'immobilier, je te laisse cliquer dans la description et comme ça, je pourrais t'intégrer rapidement au groupe Facebook et tu pourras te présenter très très vite. Dans tous les cas, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et dans tous les cas, je serai peut-être un petit peu moins présent, je ne sais pas encore, parce que je vais beaucoup m'investir dans investisseur agisseur. Donc peut-être que je serai un petit peu moins présent à voir s'il me reste du temps ou pas pour à y consacrer sur YouTube et tout. Donc voilà, n'hésite pas à regarder dans la description, je t'explique vraiment tout ce programme, ça va être vraiment un gros programme sur 6 mois qui va vraiment te permettre d'avoir des résultats dans l'immobilier. Et si tu es intéressé, clique dans la description au-dessus sur Facebook et en dessous sur YouTube. Allez, ciao ciao!